à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Culture Mag. Quand le design et l'artisanat se mêlent, eh bien ce sont les promesses d'une belle rencontre. Et c'est ce que nous sommes venus découvrir à Rabat, à l'initiative de la Fondation Banque Populaire. Depuis sa création en 2017, la galerie Banque Populaire fait preuve d'une indéniable volonté d'ouverture artistique. Jamil Bnani, bien connu dans le monde de l'art à Rabat, a confronté son expertise, son regard, sa démarche créative avec ceux de plusieurs artisans regroupés en coopérative dans la ville de Khmisset. Tout ce beau mélange a laissé place à une rencontre exceptionnelle, celle du design et de l'artisanat. C'était une très très belle expérience qui a été menée par la Banque Populaire. J'ai accompagné trois coopératives dans deux domaines différents, dans le tapis et dans le bois essentiellement à travers le tuya, qui est une spécialité de Khmisset aussi. Je suis venu en tant que créateur, en tant qu'artiste et aussi en tant que maître ébéniste, parce que de par ma technicité en tant que maître ébéniste, j'ai aussi, en dehors de la partie créative, initié une petite formation aussi au sein du groupe. De là, on a un résultat particulier qui est là autour de vous et que je pense qui est très satisfaisant, sachant que les artisans ont une fibre artistique extraordinaire. Il suffit juste de la déceler chez les uns et les autres et vous avez un résultat juste magnifique. Cette exposition marque une étape nouvelle puisque l'aspiration artistique se double d'une exigence socio-économique, fruit d'une collaboration entre designers et artisans. كنا احنا واحد الزربيه راه هي اللي سميناها الفرو فرو التيكر كنا هذيك مستحيل نقدروا نخدموها بان هو ديك الزربيه مقطعه من الوسط واش قصير واش طويل ما المهم خديناها تحدي نخدموا ما غنخدموا لا قال لك غتخدموا غنتابعكم وحنا معكم كنا اللي بسم الله بقينا كنحلوا وكنقادوا وكنحلوا وكنخدموا وكنحلوا تتقادات صافي ها بالنسبه لهذا بوشرويط ديال التريكو هذا الصوفه ديال التريكو شرويط اللي كيتلاح دوك التريكوات اللي كيتلاح كيلوثوا الشوارع ديالنا والحقول وهذا كنجمعوهم حنا كنصبنوهم وكنفوروهم كنحلوهم كنفوروهم وكيخرج منهم داك الروتوش كيتلاح واللي مزيان كنخرج منه هاد التوحات هادو كنا كنصنعوا منتجات عاديه يعني كما تنقولوا حنا المستهلكه اليوميه والحمد لله لحد الان بدينا كنديروا نماذج اخرى. Regards croisés, partage de savoir-faire, matériaux revivifiés, mobilier et accessoires réinventés, le résultat est saisissant. L'initiative telle qu'elle a été conçue était de mettre en relation un designer, en l'occurrence Jamil Bnani, qui est ébéniste aussi de métier, pour les faire évoluer, donc les faire travailler, les encadrer et produire des articles du quotidien. Donc comme vous le voyez, il y a des tables, il y a des luminaires et autres. Voilà, les moderniser, leur donner une touche personnalisée, leur faire montrer qu'ils peuvent sortir un petit peu de leur sentier battu. Culture Mag, c'est fini pour aujourd'hui, mais comme d'habitude, avant de nous quitter, voici l'agenda. La 18e édition du festival Mawazine Rythme du Monde ouvre le bal estival avec une programmation de folie du 21 au 29 juin 2019. Retrouvez ce vendredi 21 juin J Balvin, le prodige de la musique latine, et Rosalia, l'icône espagnole du mélange des genres, à 21h30 à l'OLM Suissy. Le samedi 22 juin, cette fois-ci, retrouvez toujours à 21h30 à l'OLM Suissy, David Guetta et l'artiste.